Eh bien, salut tout le monde, c'est The Snake, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Black Flag. Ce jeu, c'est une tuerie, c'est tous les... De toute façon, tous les assassins. Non, peut-être pas tous les assassins. Ceux que j'ai moins aimé, les gens, ce sont Assassin's Creed, là... Je sais plus c'est lequel, là... Avec l'Indien, là, je sais plus trop... Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai plein de choses, j'ai fini mon armement et protection, entreposage, harponnage de mon bateau. Et j'ai acheté la tenue d'Ezio. Parce que Ezio, c'est l'une des meilleures... La meilleure, comment on va dire... série, on va dire, des assassins. Enfin, moi personnellement, j'ai plus aimé Ezio et celui-là. Et puis voilà, je vais vous montrer un peu comment le jeu il est, même si je pense encore que vous l'avez tous acheté. On va buter des gens. Attention. Je te regarde, il me regarde, il s'en va. Là 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 là, c'est beau la vie. Hop là. On va te faire un combat. Oui, oui. Ah, ce jeu est violent. J'adore. Merde, non, c'est pas par là. En fait, si vous voulez, j'ai pas la... Bah, j'ai joué un tout petit peu hier à Assassin's Creed. Assassin's Creed 2, il me semble, c'est... ouais, non. Puis, en fait, pour mettre l'épée, c'est flèche de droite. Sauf que moi, quand je fais flèche de droite, là, ça me met le truc qui endort les gens, regardez. Là, que là, si je fais flèche de bas, là, je sors ma putain d'épée! Ah non, mes deux épées. Il y a longtemps que j'y ai joué, ce jeu-là, là, les gens, vous pouvez pas savoir. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, parce qu'il y a très longtemps que j'ai fait... Enfin, il y a très longtemps... Il y a au moins 2-3 jours, je crois, qu'il me semble que j'ai pas fait de vidéo, puis ça commence un peu à me manquer à pas en faire. Donc, du coup, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur Assassin. Bah, non, tu me tires pas dessus! Ouh! À faire un plus gros combat. C'est parti! Tenen, 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 tenen. Coucou! Non, pas les flèches. Aïe. Os. Boum, boum. Yeah. Par contre, je me rappelle toujours aussi bien, c'est des... Aïe. C'est des prises. Boum, bitch. Là, c'est boum, bitch, mais dégage. Voilà. Attention. Oh, attendez. Lui, on va se le faire. Oh, tire. J'ai vu bouclier et main, Putain, mais les combats dans ce jeu, c'est d'une violence. Pour ceux qui ont la PS4 et qui regardent mes vidéos, après ça, je sais pas. Il me semble que Black Flag, c'est... que Black Flag... Assassin's Creed Unity, là, je crois que c'est juste sur PS4 ou Xbox One. C'est soit sur PS4 ou les deux. Donc franchement je suis dégoûté, je crois qu'ils le font pas sur PS3. Parce que moi personnellement je l'aurais bien acheté parce que vu comment le jeu est fait, je vous jure les gens j'avais tellement envie de l'acheter. Attendez on va se... Attention, bon. Oh, dans les boules. Là je me suis tapé au point. Attendez on va le prendre. Fais dodo. Ça a toujours été violent quand ils prenaient les gens comme ça. En tout cas, moi personnellement, sur la Assassin's Creed, j'ai vu le. Il y a un Assassin's Creed qui est sorti il n'y a pas longtemps, il me semble. Ouais, je crois qu'il est sorti, ou il va peut-être sortir dans pas longtemps. C'est Assassin's Creed machin Rogue. Donc, franchement, moi je vous le conseille pas parce que ça. Enfin. Ça parle. Ça dit que les assassins c'est des machins, donc moi je vous le conseille pas. Parce que pendant toutes les machines, toutes les séries qu'on a fait sur les assassins. On dit les assassins, machin, c'est les meilleurs, les templiers, c'est les méchants. Que dans celui-là, ça va dire totalement le contraire. Donc, je trouve ça un peu con qu'ils aient fait celui-là parce que franchement, moi, ça me donne pas envie de jouer assassin. Puis, ça ne devra même pas s'appeler assassin puisque vous contrôlez un templier. Donc, moi, franchement, sur ce point-là, je suis pas vraiment d'accord pour que vous l'achetiez. Après, vous pouvez l'acheter pour voir comment il est, si les combats sont bien. Mais après, moi qui suis Assassin's Creed depuis
Depuis ses débuts, franchement, j'ai pas vraiment envie de l'acheter. Donc du coup, franchement, moi, j'aime pas. Attends, ah, il va peut-être tomber, il va peut-être tomber, il va. Tu te fous de ma gueule. Alors, il se, tu vas tomber. Oh merde, ils m'ont vu. Non, c'est pas moi. Oh merde, il va esquiver le bâtard. Bon bah. Boom, bitch. Last way. Allez. Bon, on va faire encore quelques combats. Comme ça. Puis après, je vais vous montrer le bateau, comment il est violent. C'est con qu'on peut pas changer de couleur. Il me semble qu'on peut pas changer de couleur. Donc du coup, ça m'a un peu. Genre qu'on pouvait le mettre de couleur rouge, enfin de couleur qu'on voulait, quoi. Bonjour. Bon, c'est pas des combats, mais c'est drôle à tuer, alors. Laissez-moi. Merde, ils m'ont vu. Non, c'est pas moi. Désolé. Oh. Bon, vas-y, je m'attendais pas à leur faire. Attendez. Lui, c'est lui. La prochaine vidéo. What? Ah, oui, c'est vrai. Désolé, au revoir cordialement. Comment dire? La prochaine vidéo que je vous fais celle-là. Puis normalement dans le bref délai, la prochaine vidéo, je vous ferai une vidéo sur Sleeping Dog, la découverte. Et là, je vais marquer en titre de celle-là, découverte Black Flag, pour ceux qui le connaissent pas. Donc si vous m'entendez parler un peu du nez des fois, c'est parce que j'ai la crève. Donc du coup, si vous m'entendez un peu faire des bruits bizarres avec mon nez, c'est tout à fait normal, c'est moi qui suis malade. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment? Ah oui, bien, je dois aller au mode. Mec, il fait une vidéo, mais il sait pas ce qu'il doit faire. Putain. Allez, regardez le beau bateau. Là, je peux vous dire, il en a vu des bateaux, des requins, des baleines, des... Il en a vu plein. Ah bah tiens, les gens, je viens d'avoir une idée, comme je viens de parler de ça. Si je vous propose que j'aille chasser le requin, la baleine, enfin, tout ce que je trouve. Enfin... Sert à rien que je machine le requin parce que, à part le requin blanc, parce que lui, quand il attaque, lui, la première fois que je l'ai vu, je peux vous dire, je me suis bien chié dessus, les gens. Donc, soit on va attaquer la baleine, parce que le requin à marteau, là, il me semble que je lui mets 3 harpons, il est mort, parce que, faut savoir, vous pouvez améliorer vos harpons, votre barque pour chasser, machin, les requins, les machins. Vous pouvez améliorer votre bateau, vous pouvez acheter des vêtements. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai celui d'Ezio. Donc regardez, hein, il est toujours aussi beau, à part qu'il a pas la même tête, il a changé. Donc franchement, bah, cette tenue, je la kiffe. Faut savoir que moi, au début, comme j'étais habitué à Altaïr et tout, à son habit, quand il y a le nouveau Assassin's Creed qui est sorti, celui-là, je trouvais que sa tenue, en fait, ça faisait trop... Il y avait trop de trucs sur lui, en fait, si vous voulez. Donc du coup, bah, j'étais pas habitué. Donc regardez, la petite nouveauté. Enfin, la petite nouveauté, moi je le sais, mais bon. Moi j'ai Ezio, comme ça, je vous ai déjà montré. Puis, mais, d'accord, le mec il sait pas ouvrir une porte, non, faut qu'il monte lui. Donc regardez, voilà. Et j'ai aussi la tenue de pirate, la tenue d'explorateur. La tenue du gouverneur, la tenue du capitaine. Celle-là, je l'avais bien aimée pendant un moment. Le capitaine Morgan, la tenue du Steve Bonnet. Tenue du capitaine Drake. Bon, je connais pas. Ah non, pardon, c'était pas celle-là que j'aimais bien. C'était celui-là. Voilà. Costume d'Edouard, la légende. Et, bien sûr, j'ai celui d'Altaïr. Donc, on va prendre celui-là pour cette vidéo un petit peu. Donc, franchement, Vous pouvez pas savoir comment celui d'Altaïr, je kiffe. C'est con que dans cet assassin-là, ils ont... Regardez, vous voyez là la petite... Regardez, je sais pas si vous voyez. Ça, sa petite languette au dos, là. C'est con qu'il a pas de couteau... de mini-couteau, tout simplement, d'une dague. Pour, comment dire... Pour avoir une arme secondaire, si vous voulez. Donc, oh, les gens, il y a une baleine. Attendez, grand voile. Franchement, vous pouvez voir, le jeu, il est vachement beau. Et sur PS4, il est encore mieux. Donc, franchement, si vous êtes sur PS4 ou...
Ah oui, baleine à bosse, gnagnagna. Commencez. Voilà. C'est parti, les gens, on va chasser la baleine. Oh, il a ma balance. Oh là là. Eh, qu'est-ce que je suis baraqué? Je me rappelais plus que c'était comme ça qu'on disait. Yes! Ouais, j'ai la baleine. Je le sens pas spécialement. Elle nous emmène nous là. Yes! Joli lancé, capitaine. Merci, merci. Touché, coulé. La mer devient rouge. Yes! Donc comme vous pouvez le voir, le jeu il est vachement bien fait. Là je crois qu'il va apparaître tout près de nous. Patience, patience. Patience, bah oui, patience, c'est facile à dire ça, patience. Voilà, il arrive devant nous. Salut! Poum! C'est bon! Je l'ai! Alors comment ils vont faire pour le ramener, ça je m'en rappelle plus. Ah bah d'accord, bah oui d'accord, ça va plus vite. Hein. Putain, la grosse baleine. Elle est grosse. Une bonne prise, Altaïr. Appelle-moi Altaïr, ma gueule. Donc, qu'est-ce qu'il y a de... Oh, il y a des petits bateaux. Est-ce qu'il y a des trucs qui peuvent m'intéresser? Oh, il y a du rhume. Oui, ce que j'ai. Pardon. Bon, on va y aller tout de suite. Yes! Allez, Jackie. Donc, mon bateau, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est amélioré à fond. Donc, il fait extrêmement mal. Mais j'ai pas encore eu les jojones d'aller attaquer un machin légendaire. Parce qu'à chaque fois, tout simplement, je me fais défoncer. Parce que tout simplement, je suis extrêmement nul. Tais-toi, la tablette. Oh. Tout ça pour me dire que j'ai de la pub. Attention. Boum. Bitch, 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 bitch. Donc je vous jure, ils vont prendre une chair. 3, 2, 1. Bitch. Boum, 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 boum. Yeah. Vas-y, easy. Ta mère, toi. Tu vas pas m'attaquer. Bon, on s'occupera d'eux quand on aura fini d'aborder l'autre. C'est parti. Aborder. Voilà. Oïs, tuer équipage ennemi, 0 sur 10. Ok. Boum. Boum. J'essaie de pas tuer tout le monde parce que sinon je vous verrai jamais comment on aborde. Bon bah on en tuera que 7, 8, 9, 10. Bah on en tuera que 3. Vous êtes trop de la chance les gens. Je vais vous montrer de haut comment ça fait classe quand on aborde. Regardez. Regardez, 3, 2, 1. Ching, ça fait vraiment pirate et tout, ça fait trop clair. Mais non, mais il est trop con. Il a pas atterri sur le bateau. Mais non. Le gland. Tranquille. Tranquille, tranquille, tranquille. Boum. Voilà. Donc vous voyez à peu près comment ça machine. De toute façon, je ferai pas, je ferai ça pendant la vidéo tout souvent, alors vous verrez. Hein. Donc, quand vous avez regardé, donc je vais vous montrer à la main encore. Donc, comme vous voyez, quand vous regardez un bateau, oh merde, pardon les gens, pas coupé, attendez. Punaise, j'ai mis 50 minutes à recadrer la machine, à tenir plus droit. Donc je vais éviter de taper dans le siège parce que c'est ça qui a monté. Donc comme vous pouvez le voir, quand vous regardez un machin, comment dire, un tout simplement un bateau, vous regardez ce qu'il a dedans, puis comme ça vous pouvez le piller en gros. Donc là j'ai obtenu 100 drones, 32 sucres, 6 boules explosives, 3 projectiles mortiers et 3 membres d'équipage. Donc faut savoir, hein, quand vous attaquez des bateaux et que vous les abordez, vous avez tout simplement bah, vos équipages qui, votre équipage qui va attaquer, et des fois ça arrive que votre équipage meurt des fois. Donc là vous avez le choix entre réparer le bateau, réduire le niveau de recherche, parce que quand vous attaquez un bateau, bah ça veut dire, ça commence à dire, ça vous fait une sorte de notoriété,
Et après, envoyer la flotte à Kenway, donc du coup, ça vous fait des bateaux pour... des bateaux alliés, si vous voulez. Donc on va réduire le niveau de recherche, hein. De toute façon, réparer le bateau. Le bateau est tout neuf, tout plein. Voilà. Entre couilles, ma gueule. Alors, eux, je vais les défoncer parce que eux, ils ont voulu m'attaquer. Oui, toi, là-bas. Boum! Mais toi, je t'ai rien fait, toi, tu m'attaques. T'es sérieux, moi. Mais. Ok, bon, vous allez prendre cher, hein, je vous le dis tout de suite. Eh non, nous fonce pas de. Mais en plus, ils savent pas. Voilà. Surtout que j'étais venu t'aider, toi, à la base. Enfin, je voulais pas tuer toi. Bah, tu m'as obligé. Bah, tiens, j'ai même pas envie de t'aborder. Je vais vous défoncer comme ça, vous allez couler. Boum, boum. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à chasser, les gens? Qu'est-ce qu'on pourrait chasser? Non. Oh, j'ai tellement l'habitude de GTA et tout. C'est tellement horrible. Donc ça, c'est un requin blanc. Ah, super! Donc, bah, on va aller chasser le requin blanc, hein, parce que faut savoir aussi, moi, j'aime pas la mer à la base. Mais bon, celui-là, on l'aime, c'est Black Flag et tout. Allez. On doit tourner, 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 tourner. Allez! Bon bah les gens, on se retrouve là-bas. Je devrais un jour arriver à cette baleine. Non, 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 non. Allez! Ah, c'est passionnant, hein, la mer, le vent, le ciel, la terre, le... Je suis dans une zone interdite et je risque de me faire buter à tout moment. Non, ça va, là je sors. Bon, c'est à 800 mètres. Ça fait loin. Ça fait loin quand même, hein, à pied. Hein. Franchement, on ne va pas faire ça en courant. Hein. Non, je déconne. T'y supplie. T'y supplie, il y en a assez. Bon, allez. On va essayer d'attaquer ce putain de convoi royal. What? Il y a un convoi royal. Vous avez... Attends, non, je dois le défoncer. Alors là, je me dois de vous buter. Bon. Attends, c'est pas tous les jours qu'on a un convoi. Ah, moi aussi, je sais tirer des boules en feu. Hein. Bah, il fait mal, le bâtard. Tirez. Voilà. Donc on va les attaquer les gens là, là c'est un devoir là. Aïe 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 aïe. Ah bordel. Alors on doit tuer 15 ennemis et détruire le pavillon de l'ennemi. Oh merde, ça c'est chiant à faire. Hop là. Allez, boom bitch. Regardez, voilà, équipage moins 1. Désolé les gens, j'étais barré dans mon truc là. Voilà, bon, dégagez là, vous me gavez. Faut savoir, hein, des fois je m'énerve extrêmement sur, voilà, sur ça parce que il fait pas ce que je veux. Le jeu il bug à mort parce que comment dire, il y a trop de choses là, je sais pas. Regardez, je perds de l'équipage pour rien. Et ça, ça m'énerve énormément. Mais bon, faut savoir, lui c'est un gros bateau, c'est. Voilà, bon, vous vous gérez. Ça c'est net. Voilà. Puis moi je prends cher aussi là. Ça m'énerve. J'aime pas me voir perdre beaucoup de vie.
Bon, je les laisse tuer, hein, le prochain. Oh! Voilà, bon, maintenant j'ai plus qu'à enlever le pavillon, là, j'ai perdu je sais pas combien d'hommes. Dégage. Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, on va me faire chier. Va plus vite. Attendez, attention, 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 faut pas que je perde d'autres hommes, sinon je vais prendre cher. Allez, voilà. Boum. El viva assassin. Eh, c'est con leur truc, hein. Parce que si on met notre pied au mauvais endroit, on a juste à se coincer le pied, à plus jambes. Bon, on va peut-être le réparer là, parce que sinon ils vont nous mettre cher les bâtards. Alors, ok, pas ça. Voilà, bon, bah, je savais, pour ça que je l'ai réparé, hein, je savais qu'il y avait les autres glands là. Regardez, il nous tire encore des trucs. Non, on aborde rien du tout. Voilà. J'avais dit que je chasserais mon requin. Je vais le chasser. Putain, comment il lui a coupé la parole. Le mec, il a fait... Oh, va te gueuler. Ferme ta gueule, t'es mieux. Bon, là, je recule un petit peu parce que j'ai pas envie de me faire peur de moi-même. Requin de merde. Et comme par hasard, il fait nuit et je vois pas le requin. Regardez la grosseur là! Putain, et avec lui je rate tout. Oh, mais j'y crois pas! La bête est touchée! Oui, bah la bête est touchée et moi il va me bouffer! La bête est touchée! Non. Oh, ça, ça va faire! Il vient vers nous! Parti vent avant! Attention! Voilà! Allez! Allez! Il faut le tuer! Non! J'ai raté le tir! Mais non, mais je suis trop nul. Mais hé, hey, c'est l'harpon, je vais te le foutre où? Voilà, dans le cul. Voilà, c'est ça qui m'avait fait peur la première fois. Espèce de pillage. Yeah. Voilà. On a vu ta grande gueule. Punaise. Bon bah les gens, on va faire un truc, une dernière chose avant que je mette fin à la vidéo. Mais ah, GTA sort de ce corps. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rien faire puisque j'ai tout fait sur ce jeu. Attendez, non, il y a bien au moins un truc à faire là les gens. Attendez, non, je l'ai pas tout fait quand même. Et polar, hein, non, c'est de la merde. C'est... Sacrifice, non, non, ça. Oh là là, j'ai tout fait sur ce jeu à la con. Bon. Bon, bah, j'ai rien d'autre à faire là, les gens. Je suis saoulé au maximum. Mais sors de ce corps, j'ai acheté. Putain. Bon bah... Vous savez qu'est-ce qu'on va faire les gens? On va buter encore une dernière fois quelques gens. C'est parti. On va buter des gens. On est des terres. Vas-y cours assassin, cours, cours, cours. Pour la fin de la vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir que tu cours pour la fin de la vidéo. Allez on y go, on y go, on y va. Yeah. Motherfucker. Boom, bitch. Allez, on continue, on va faire un massacre pour la fin. Pour aller, pour The Snake Pipi, pour aller. Allez, on y va. On va buter les mecs sur les toits, on est des terres.
Pousse-toi, tu me pues de la gueule. Allez, on y va. Allez, Jackie. Allez, Jackie. Allez. Et merde. Oh, t'as osé me toucher? T'as osé me toucher? Ok. J'ai mis la lame dans le cul. Normal. Bon. On va tuer encore deux gens. Puis on va y aller. Je vais vous dire au revoir. Trop mal au cœur. Alors, dernière personne. Bon, on se tapera une petite plein de personnes, voilà. C'est histoire de... Voilà. En fait, si vous voulez, je vais les pousser, puis je vais faire un énorme combat. Voilà. Comme ça, je vais ramener tout le monde, puis je vais avoir plein de gens avec qui me battent. Poussez-vous. Voilà. C'est parti. Us, boom, bitch. Reculez! Boum! Allez, le rage, vous finis au point, c'est sûr et certain. Boum! Bitch! Get out. Attention. Bitch! Putain, c'est violent quand il se tape au point aussi, mais je kiffe. De toute façon, je kiffe ce jeu. Allez! Oh! Coup de pied, une de. Aïe! Non, ça compte pas. Allez, dernier. Hop là, direct. Puis les autres, on va les finir. Tout simplement, ceux que j'ai tapés au point. Attendez, on va prendre ces munitions pour la fin. Moi, j'en ai besoin. Je te fouille! Et je te tue! Bon, les gens, je vais vous faire une dernière surprise. Je vais vous faire profiter de la vue avec une petite musique. C'est parti. C'était le petit moment détente de la musique. Donc j'ai quelque chose à vous dire. Attention. Attention. Ciao tout le monde. Peace!